Xôm chinh cưới. Ngày này chỉ ngày tí bay hay ông chung nung chung ra xôm bạc cả bần to xạ mà nà cá. Lúc làm chí ta phía kì nâng mê tử vi miên châu ruộm cực tùm nguồn hỏi nữa. Chúng bây giờ bật xác ai đọng bật thiên ông chung ra xôm cực ai đọng bật thiên ông chung ra xôm cực ông chung ra tùm ngũ xôm cực ong sao na ca từng mũi. Ngày đi, cứ phía kỳ miền vật tầm miến, cứ miền khang xã bìa nhá, miền lục chùm tiêu chia liếng, lục Nicola Công Chiến, hay khang chôn chọc cháu, miền lục Nôn Chía, lục Hiêu Sông Phón, đòi lục Nôn Chía nâng bàn sông ong chùm đá, lẹ bóng sật châu ruộng đòi phát tốt, nông xa bần tục sao bà nà ca. Phần tại khang miền xã miền tử vi, ca phía chôn chọc cháu từng phí, miền lục Sôn Nà Rốn, lục vị này áp vật miền lục vị to cúp đồ đái rồi ai sa miền tây cà pê chôn chọc chào lục khi sùng phón miền lục cung sùng on lục sậy ong ta vis hàng sa miền tây non mốc đang mình đang rập về ní miền lục bạch ong miền lục sậy mari giro rồi ai đang mình đang rập về ní đại ban châu rùm nơi ngày ní miền chấm nuôn đập bay rúp cứ miền lục sậy phuông phá lá lục khâm nà rết lục su sổ thịa ví, lục chào ní, lục sợi bóc xa em, nạ sợi bích sợi phol, lục sợi chơm cúng, lục dô phol, lục sợi long gión, lục phôn sổ phát, lục sang rát, nạ sợi xe si vật thá, nâng lục ấm bôn chươn mà, xong. អរគុណនេះពេលព្រឹកនេះគឺដោយសារជនជាប់ចោតនួនជាបានសុំលះបង់សិទ្ធិមិនចូលរួមក្នុងនៅទីសវនាការធំនេះហើយដោយសារមានការបញ្ជាអំពីសុខភាពរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតផងដែរគឺអង្គជំនុំជម្រះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោត nguồn chía cứ châu ruộm sạp nà cá nâng tam đàn sạp nà cá nơi không bẩn tục khung khuôn nơi hàng cao ông xa sạp nà cá thống ni hơi xôm ỏi lục một trầy kháng sọt tua nâng cứ riêng chóng ủ bạc có sọt tua thẩm rạp chôn chọp chọt chứ cách bẩn tó cứ dương nhóm xôm chùm riêng tha mà xa lâm anh ní cứ dương bàn châu đò vẹn thị bốn តាក់ទងអំពីតាក់ហៃកបណ្ដឹងសាទុកពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកប្រមត្តនជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់ជនជាប់ចោតហើយខាងភាគីក៏បានធ្វើសារណារួចហើយដែរប៉ុន្តែនៅចំបញ្ហាមួយគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាសំណួរដែលសួរដោយចក្រមហើយម្យ៉ាងទៀតគឺនៅពេលព្រឹកនេះគឺចាប់ផ្ដើមនេះបើសិនជាលោក មេធាវីហើយនឹងលោកសហប្រជាមានបំណងនឹងធ្វើការបង្ហាញបន្ថែមទៀតគឺសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញហើយមួយទៀតដែរគឺតកតលបញ្ហាសំណួរដែលចៅក្រមសួរពីសលមិញហើយលោកសហប្រជាមាននៅមិនទាន់បានឆ្លើយនេះចំណុចមួយដែរហើយបើសិនជាអាចឆ្លើយបាននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញដែរបាទ Thank you, Your Honor. We have some comments to make in regards particularly to the question that Judge Millard posed to us by email. We'd like to expand upon our answer to that.
But just before I forget, I just wanted to add one brief remark regarding the defense mission that the evidence was insufficient to show that the zone armies were under the control of the center. One of the pieces of evidence that absolutely and clearly shows that these zone armies, one of many pieces of evidence, that these zone armies were under the control of the center is an undisputed fact that after the April 1975 victory, the center took units, divisions, กองทัพกองพลในក្នុងกองเอกภาพផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងភូមិភាពផ្សេងៗទៀតបង្កើតបានជាតបរបស់មជ្ឈិមមិនមែនថាជាឆ្លោមនោះទេគឺថាគេសុទ្ធតែជាកងទ័ពដែលត្រូវគោរពជាមកពីមជ្ឈិមមកពីមជ្ឈិមហើយមានភស្តុតាងជាច្រើនមិនអាចប្រកែកបានដែលថាកងទ័ពគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមអធិណៈមជ្ឈិមហើយក៏កំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាជាទីតាំងផងដែរ ការចោទប្រកាន់អំពីមនុស្សឃាតនេះគឺថាថិតនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅថាការសម្លាប់នៅទួលពូជ្រៃផងដែរហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ថាតាមពិតគឺអង្គជំនុំជម្រះមិនបានដាក់ការកាត់ទោសទៅលើមនុស្សឃាតគឺរាប់ទាំងការកាប់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំផងដែរដូច្នេះហើយគឺបានឈានដល់ការកាត់ទោសផ្អែកទៅលើការកាប់សម្លាប់រង្គាលនេះឯងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ដោយសង្ខេប នៅក្នុងរឿងក្តីរវ៉ាន់ដានៅក្នុងសាលក្រមស្លាមនៅក្នុងណាតិគីលូទីម៉ាណានេះឈ្មោះរឿងក្តីអង្គជំនុំជម្រះសាលាតោបានបញ្ជាក់ថាអឺច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិមិនតម្រូវឲ្យមានសេចក្តីបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ឬក៏ឈ្មោះជនរងគ្រោះដើម្បីកំណត់ពីបទសម្លាប់រង្គាលនោះទេនៅក្នុងរឿងក្តីរុខុនដានៅក្នុងកថាខណ្ឌ189នៅក្នុង
we are group cron good time by mean mul tan group cron barcelona bong and pika some lap no rinkil tung tay tom men kat lao jump to the last to bay men mean postang bong hai no knong on chim chim rap which you don't chat let me ka some lap ka slap ka doi don't tat don't turn and pat her but um pika come not to doubt to see no knong pi krong postang um pika chap to rot hai no ka ka some lap no knong tut see no knong ti krong សរុបទាំងរួមទាំងអស់ហើយនឹងផុសតាងឲ្យហួសពីវិមតិសង្ស័យអាចសម្រេចបានហើយខ្ញុំនឹងអញ្ជើញលោកដេឡាយសាក់ជាសាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្ញុំដើម្បីជម្រាបតឡាការអំពីអំណាចអំពីផុសតាងដែលថាតើយើងជឿជាក់ថាការកាត់ទោសអំពីមនុស្សឃាតនៅក្នុងករណីយើងនេះគឺបានមានផុសតាងហួសពីវិមតិសង្ស័យ Good morning, Your Honors. Saprinya Delaisa, Chimrip Su, Lok Sai Chau Kram, Hakim Ban Chimrip Pim Sun Mang, Kim Min instances. Karnei Muchum Nun, Hai Nung Pot Tang, Dial Banche Ampika, some lap, Pon Tanung Kachum Li, in response to your question, the Machalai Totanung Sun Nu, Rabacha Kramilan. And the first one, Chim Noti Mui. We heard from Yim Sakhekam, look, Yim Savan, Nakanong, Kotban, to Sakhekam, Nathanaiti, Dapramboon, Kaitola, Chanampi Pondapi. This is a witness. Chisatsay Mui, Dial Traban Kishum Lee, Chen Pipunum Ping. He describes Kotban Rib Rob, 1420, no mound, Dapboon, Mapay, Hanung Mound, Dapboon, Mapay. ປັນປີໃນថ្ងៃທີ19ខែតុលាឆ្នាំ2017គាត់ថាបានឃើញឡានរថយន្តនៅលើផ្លូវហើយទាហានខ្មែរក្រហមគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេហើយគេយកអ្នកបើកបលឡាននឹងចេញពីឡានហើយក៏បាញ់អ្នកនឹងចោល ខ្មែរសវណ្ណជាបុគ្គលក៏បានឃើញការសម្លាប់ជនស៊ីវិលមួយក្រុមដែលគាត់បានចាក់ទ្វារចាក់សោទ្វារផ្ទះរបស់គាត់នៅភ្នំពេញហើយខ្មែរក្រហមទាហានខ្មែរក្រហមមកដល់ហើយគេបាញ់សោនោះហើយគេបាញ់យកមនុស្សអ្នកនឹងចេញមកហើយបាញ់អ្នកទាំងអស់នឹងចោលសក្តិកម្មរបស់គាត់នៅថ្ងៃទី16
community accounts, corroborative accounts from others of similar experiences where people who refuse to leave were executed. These come though from people who refuse to leave. When we were leaving Phnom Penh, we were traveling over the dead body of his mom. Your honors,
understand the law. Let me give you some ERN references. On the 26th of February 1975, a statement
សេចក្តីប្រកាសត្រូវបានផ្សាយតាមវិទ្យុដោយលោកខៀវសំផនThis is document. ឯកសារនៅទីនេះគឺដែលថា E3 1117. And the statement from Q. សេចក្តីប្រកាសរបស់លោកខៀវសំផនដែលផ្សាយតាមវិទ្យុនៅថ្ងៃនោះ stated បានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនមហាក្បត់ទាំង7នៅភ្នំពេញសមាជិកបានសម្រេចដោយតទៅនេះជនក្បត់លន់នល់សរិមតៈសុនញោកសឿនងុកថាញ់ជេងហេងអ៊ីនតាមឡុងបូរ៉េតហើយសូស្តែនហ្វឺណាន់ដេសគឺជាជនមហាក្បត់ទាំង7ដែលប្រឆាំងហើយនឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលផ្ដួលបូរណភាពសន្តិភាពកម្ពុជានៅក្នុងនាមរណសិរ្សរូបរួមជាតិហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិកម្ពុជាសមាជិកបានប្រកាសថាជាសំខាន់ដាច់ខាតត្រូវតែសម្លាប់ជនក្បត់ទាំង7នេះពីអំពើក្បត់ជាតិរបស់ពួកគេហើយយើងបានស្ដាប់មេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផននិយាយការពារមិនសិលមួយថ្ងៃនោះថាមិនមានភស្តុតាងពីចេតនារបស់លោកខៀវសំផនថាសម្លាប់នរណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចមានអ្វីជាភស្តុតាងច្បាស់ជាងនេះពីចេតនានៃការសម្លាប់ដែលច្បាស់ជាងសេចក្តីប្រកាសតាមវិទ្យុម្ដងហើយម្ដងទៀតគំពីលនីវឲ្យមានការសម្លាប់មេដឹកនាំកម្ពុជានៃរបបលន់នល់នោះទេយើងមិនអាចមានភស្តុតាងណាខ្លាំងជាងនេះនោះឡើយហើយយើងបានស្ដាប់ឬសក្ខីកម្មនៅក្នុងការជំនុំជម្រះពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះបុគ្គលទាំងនោះហើយនៅក្នុងចំណោម7នោះគឺថាមាន2រូបដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមានឡុងបូរ៉េតហើយនិងសេរីមតៈសក្ខីកម្មបានពីអាឡាំងរុកអូហ្វអំពីសេនីសិនបឺកហើយនឹងបុគ្គលផ្សេងទៀតហើយនឹងមានឯកសារបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលនេះផងដែរដែលបានបង្ហាញផុសតាងពីអ្វីៗដែលបានកើតឡើងចំពោះបុគ្គលទាំងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដើម្បីសង្ខេបជូនដើម្បីជម្រាបជូនអំពីផុសតាងដើម្បីឲ្យច្បាស់ក្នុងករណីឡុងបូរ៉េតOn the day of 17 April, នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាមានការផ្សាយតាមវិទ្យុគឺអំពាវនាវឲ្យអតីតទាហានលន់នល់និងអ្នករាជការទាំងអស់ចុះចាញ់លើកទង់ជ័យសរសេចក្តីប្រកាសតាមវិទ្យុនោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទាំងកងទ័ពពីកងទ័ពមកពីឧត្តរហើយនិងភូមិភាគបូព៌ាហើយនឹងត្រូវបញ្ជាក់ពីទីតាំងដែលគេត្រូវធ្វើទាំងអាឡាំងរ៉ុកអូហ្វហើយនឹងស៊ីដនីសិនបឺកប្រហែលជាម៉ោង4ល្ងាចទៅទីតាំងដែលគេផ្សាយនោះហើយគាត់បានធ្វើសក្ខីកម្មថាប្រហែលជាមានមនុស្ស50ជាអ្នកទោសដែលគេត្រូវបានប្រមូលយកទៅដាក់កន្លែងនោះរាប់ទាំងលន់នន់ជាប្អូនប្រុសរបស់លន់នល់and several generals ហើយនឹងឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួនទៀតសេនីសិនបឺកបានបញ្ជាក់ថាគាត់ស្គាល់ម្នាក់គាត់ស្គាល់ថាមានឧត្តមសេនីយ៍ជឿនជឿននោះផងដែរនៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់សេនបឺកហើយនឹងរ៉ុកអូហ្វនឹងរ៉ុកអូហ្វនិយាយនៅថ្ងៃទី28មករាឆ្នាំ2013ឯកសារ E3 លើ 165.1 ពីម៉ោង 11:29 ដល់ម៉ោង 11:29ជាង57នោះAlan Sunishenberg នោះគឺជាអ្នកសារព័ត៌មាន New York Times បាននៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2013នៅម៉ោង 10:15 ហើយគាត់រៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព័ត៌មាននៅកាលនោះហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏វត្តមាននៅពេលដែលគេឃើញឡុងបូរ៉េតហើយនឹងជួនមហាក្បត់ទាំង7ត្រូវបានគេយកទៅដាក់កន្លែងនោះហើយគេកងទ័ពខ្មែរក្រហមគេអ្នកចាប់ពួកគេទៅដាក់ទីនោះនៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់ Sidney Sandberg ហើយនៅក្នុងឯកសារនៅក្នុងកំណត់ហេតុបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ John Swain ផងដែរ
hay chia sakkhai kam rương hat dal kua chap arom dal ke tha dal tha mokol mneak dal ke banhan khluon tha chi me dumnom khmae krohom nung tha chong rok dang tha ta trou thveu doich mdeich chompuh neak tan nu chamlai nu keu tha samkhan na da yeung ban lu keu tha ke bichak tha me dumnom niyobai ban mok te nih neu knong riak pel 2-3 thngai គេនឹងត្រូវសម្រេចនឹងត្រូវធ្វើម៉េចចំពោះជនអ្នកទោសទាំងនោះដែលគេកំណត់នេះគឺមិនមែនជាការសម្លាប់ដោយសងសឹកអ្វីទេនេះមានការរៀបចំហើយគឺធ្វើឡើងដោយផ្សាយតាមវិទ្យុមានការតាក់ទងគ្នាមានការរៀបចំភស្តុតាងអំពីបញ្ហានេះគឺច្បាស់ណាស់សេរីកមតាក់សេរីមតាក់ super trader who remainedជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមជនក្បត់ទាំង7ដែលនៅក្នុងភ្នំពេញគាត់បានរត់ចូលទៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងគាត់បាននៅទីនោះហើយនឹងមេដឹកនាំកំពូលខ្លះទៀតនៅក្នុងទូតនឹងដែររត់ទាំងប្រធានអង្គបុនហួរប្រធានសភាហើយ25នៃតំណាងរបស់ក្រុម Full Role Full Role គឺជាអង្គការនៃជនជាតិភាគតិចដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅតំបន់ភ្នំនៅព្រំដែនវៀតណាមហើយនិងខ្មែរគេបានច្បាំងប្រឆាំងនឹងវៀតណាមហើយនិងខ្មែរក្រហមហើយមេដឹកនាំរបស់គេគឺអតីតរបស់រតនគិរីហើយគាត់នៅក្នុងទូតបារាំងហើយគាត់បានស្វែងរកអាសិលឹមគឺជំរោគសវត្ថិភាពសកម្មភាពរបស់អាឡង់រ៉ុកអូហ្វហើយនឹងស៊ីដនីសេនបឺកដែលគាត់នៅស្ថានទូតនោះដែរហើយមានឯកសារជាច្រើនអំពីកុងស៊ុលបារាំងដែលបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅប្រទេសបារាំងថាពីអ្វីកើតឡើងនៅស្ថានទូតស្រុកខ្មែរហើយបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅពេលនោះផងដែរនឹងជាភស្តុតាងសំខាន់ខ្ញុំនឹងជូនបញ្ហាពាក់ព័ន្ធដែលនិយាយអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលកុងស៊ុលបារាំងគឺថាឯកសារ E3/27/06 ឯកសារទាំងនេះគឺថាបាននិយាយអំពីហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលថាអ្នកដែលបានចូលទៅក្នុងស្ថានទូតសុំលាក់ខ្លួនជំរងនោះគឺថាខ្មែរក្រហមបានគម្រាមហើយត្រូវអ្នកនៅក្នុងស្ថានទូតជំរុញចេញហើយហើយសេរីមតៈក៏បានចូលទៅក្នុងស្ថានទូតហើយខ្មែរក្រហមក៏បានគម្រាមរហូតដល់ស្ថានទូតនឹងឲ្យគាត់ចេញហើយដូច្នេះហើយគឺថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមនោះគេបានបង្កើតគណៈកម្មការទីក្រុងមួយដើម្បីចាត់ការលើរឿងទាំងអំបាលម៉ាននេះហើយនៅទីបំផុតយើងបានដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកទាំងនោះadmissions and announcements that were made ការទទួលស្គាល់ហើយនឹងការប្រកាសដែលបានធ្វើឡើងនៅពេលនោះអៀងសេរីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1975គាត់ទៅទីក្រុងបាងកកទៅហើយគាត់បានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនោះគាត់បានប្រកាសថាឡុងបរ៉េតសេរីមតៈហើយនឹងលន់ណុនត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយBangkok Post article where you will find ចុះអត្ថបទមួយនៅក្នុងឯកសារ A3604 ហើយមានរបាយការណ៍សារព័ត៌មានជាច្រើនដែលនិយាយអំពីសន្និសីទកាសែតរបស់អៀងសេរីរាប់ទាំង Washington Post ផងដែរSo an announcement by the government that these people had pled for the execution. That Khieu Samphon had pled for the execution. That Khieu Samphon had pled for the execution.ជួនជប់ចោតទាំងពីររួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះនេះគឺបានប្រកាស
ការឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ទេសសម្បត្តិនោះក៏ឆ្លើយថាអតីតមន្ត្រីលន់នល់ត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលហើយសារព្រះញ្ញាសូមជម្រាបថាផ្អែកលើភស្តុតាងផងគឺថាអ៊ីបៃលឺ004មួយ R ឥបៃលឺ4004មួយ 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 R ឥបៃលឺ4004មួយ
Just a moment, Council. Sorry, we are seeking the relevant parts of the trial judgment. It's not that we were not listening to you to see if indeed the trial chamber relied and to what findings on these pieces of evidence. It is like my impression that the trial chamber says in a footnote in its discussion of the policies that it was subsequently reported that these officials were executed. But if you can point me to a more precise finding of the trial chamber. Some notes on that, Your Honor. I'll tell you they were prepared for me. I don't know which part. It's not urgent. We will look for them anyway. I did not understand you wanted me to cite the judgment findings, but because it was my understanding that the officials are being addressed in case two. That is not correct. The killings of these top law and officials who were taken in as part of the evacuation of the bomb was very much part of the first trial. I have references here to paragraph 503 of but which I think has to do with the top officers. This is the one that I have a number of others, but I know this evidence is discussed in various parts of the judgment, so I'm happy to do some research. Bonjour et merci, Monsieur le Président. Puisque vous avez invité les parties à rebondir et à faire des observations par rapport aux questions de Madame la juge Millard et aux faits évoqués hier, je vais le prendre et saisir cette occasion. Tout d'abord, puisque nous en étions sur la question hier de la responsabilité de M. Santon, puisque je vous ai indiqué depuis hier la question du lien entre les crimes évoqués et M. Santon lui-même. Sur la question de la décision de l'évacuation, il me faut redire quelques mots et préciser ma pensée. Tout d'abord,
Je ne peux pas laisser dire de l'autre côté de la barre que nos plaidoiries depuis le début de cette audience d'appel constituent simplement de la rhétorique. Je ne peux pas le laisser dire parce que, en tout état de cause, nous venons devant vous après un mémoire final de première instance, après des plaidoiries devant la chambre de première instance, après un mémoire d'appel circonstancié que vous avez bien lu, et il est évident que ce n'est pas dans les 50 minutes sur l'approche générale de la preuve sur le problème de l'équité que nous pouvons passer en revue l'intégralité de nos remarques précises. Mais quand même, puisque ce point a été abordé hier par le substitut du coprocureur, je reviens sur la décision d'évacuation et sur les éléments qui ont été utilisés par la Chambre pour arriver à cette conclusion. Tout d'abord, en ce qui concerne la crédibilité particulièrement extraordinaire qu'aurait relevé M. le substitut du coprocureur hier sur le témoin Pipoun, alias Rochantum, comme je vous ai invité à le faire hier également, vraiment aller voir les vidéos, elles sont parlantes. C'est vrai que lorsqu'on regarde les transcrits, ce n'est pas toujours très simple d'avoir l'atmosphère et d'avoir les réactions du témoin, mais allez voir les vidéos. Et en ce qui concerne le contenu de la déclaration de ce témoin, là encore, contrairement à ce qui est indiqué de l'autre côté de la barre, nous n'avons pas fait de la rhétorique. Nous avons, dès le mémoire, nos conclusions finales devant la chambre de première instance, relevé les difficultés qu'il y avait sur la question de ces réunions. Un point que l'accusation s'est bien gardée de relever et de noter que la chambre, dans le cadre de son jugement, fait une confusion entre deux réunions pour n'en faire qu'une seule. Or, ce témoin a évoqué deux réunions. Une première réunion qui se situe en juin 1974, et au cours de laquelle il dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, le témoin, que la question de l'évacuation n'a pas été abordée. Et il parle ensuite d'une deuxième réunion, la fameuse réunion à B5. En février 1975, là, il dit qu'à ce moment-là, la question de l'évacuation aurait été abordée, et encore pas dans le détail. Je cite, ça c'est le document E295-6-4, paragraphe 21. Il s'agit de nos conclusions finales en première instance. Pour dire que la Chambre de première instance en était particulièrement informée de ces éléments de preuve. Quand on lui demande, est-ce qu'il est possible que l'évacuation de Phnom Penh ait été déjà discutée lors de la première réunion de 1974? Il répondra, et ça c'est à l'audience du 30 juillet 2012, E1-98.1, vers 13h38 et 10 secondes. Je ne pense pas que cela ait été un sujet de discussion, répond-il. L'accusation insiste. Et voilà ce qu'il va dire à nouveau. Cette fois-ci, nous sommes le 31 juillet 2012, document E1-99.1, vers 9h33 et 40 secondes. J'ai entendu parler à une seule reprise à B5. Je n'ai pas d'autres détails à ce sujet. Fin de citation. Et lorsqu'il évoquera la deuxième réunion d'avril 1975 au sujet des participants, à cette réunion, c'est vrai qu'il place que Sampan. Voilà ce qu'il dit. Ils ont parlé de l'évacuation de la ville, mais ils n'ont pas donné de détails lors de cette réunion. Et là, nous sommes le 30 juillet 2012, toujours un document E1-98.1, et c'est vers 15h22 et 41 secondes. Pourquoi ces déclarations sont importantes? En dehors du fait que la Chambre a fait une confusion entre ces deux réunions parce que ça l'arrangeait de pouvoir dire que dès 1974, lors d'une grande réunion, que Sampan aurait participé à cette prise de décision. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vient vous dire, voilà dans quelles conditions s'est déroulée l'évacuation de Phnom Penh, voilà quelles choses atroces se sont déroulées à ce moment-là.
Puis Poon, lui, il vous dit, on n'a pas parlé des détails de l'évacuation. Ça veut dire qu'on n'a pas parlé des conditions à ce moment-là. Combien même que son port est très présent, ce qui n'est encore pas, encore une fois, établi. Mais combien même aurait-il été très présent, nous n'avons pas à cette réunion les détails dans lesquels cette évacuation se serait déroulée. Donc on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, ils savaient qu'on allait prendre des gens dans les hôpitaux, etc., etc. Il n'y a pas les détails. C'est le témoin phare, le témoin tellement crédible de l'accusation qui le dit lui-même. Et ça m'amène à un deuxième point. Pourquoi, encore une fois, la Chambre parle du mode opératoire récurrent et des évacuations qui ont eu lieu avant celle d'avril 1975. Parce qu'elle a besoin d'établir ce fameux mode d'opérateur récurrent qui viendra dire mais il savait que son temps, dans quelles conditions se déroulaient les évacuations. Sauf que, et la Chambre, et l'accusation oublient un élément de taille, c'est que lorsque l'on parle des évacuations avant 1975, mais nous sommes en plein conflit armé, ce n'est pas la même chose. On est dans des endroits où il y a des combats entre l'armée de l'ONU et l'armée du Fong et du Grong. Ce n'est pas la même situation. Et lorsqu'on me dit qu'il devait savoir parce qu'il y avait eu des évacuations auparavant, je rappelle la preuve qu'il y a au dossier. Et là, je renvoie, par exemple, à l'interrogatoire d'un certain Nikan à l'audience du 28 mai 2012 à 10h06 et 28 secondes, il explique que la population allait déplacer à cause de la guerre. C'est un homme qui nous dit que c'est lui. Pareil, Mivun, militaire, audience du 3 octobre 2012, un peu avant 15h57 et 40 secondes. Il vous dit précisément, il parle du Dong, qu'à un moment, seuls les soldats Khmer Rouge et ceux de Lon Nol étaient là et se combattaient. Il dit un petit peu avant, sur le champ de bataille, le long de la route nationale numéro 5, des gens prenaient la fuite vers la zone libérée. Les gens ne sont pas restés à proximité de cette route nationale. Seuls les soldats Khmer Rouge et ceux de Lon Nol étaient là et se combattaient. Voilà. Ça, c'est à l'audience du 3 octobre 2012, un petit peu avant 15h57 et 40 secondes. Voilà ce contexte des déplacements de population pendant le conflit armé et on veut absolument calquer la même chose dans le cadre de ce qui se passe après le 17 avril 1975. Et là, il y a un problème fondamental. Même chose, on nous parle du discours de Khieu Samphan au moment où on est au paroxysme de la guerre. Donc bientôt, il va y avoir l'offensive de Phnom Penh. On vous parle des sept traîtres et on vous dit, et je l'ai entendu hier à de nombreuses reprises de la part de monsieur le coprocureur international en disant oui, il me semble que même que Sampan aurait rajouté des noms aux sept traîtres. Sept traîtres, pourquoi? Sept traîtres qui ont fait un coup d'État en 70 contre le régime de Sihanouk, qui est à la tête du Fung et du Grung. Auquel participe monsieur et la seule personne qui a parlé d'autres noms en dehors des sept traites, et ben c'est le feu roi Sihanouk lui-même. Et là, je renvoie au document E320, donc contrairement à ce qu'indique monsieur le co-procureur en face, ce n'est pas monsieur Khieu Samphan qui aurait parlé d'autres traites. Il n'a évoqué monsieur Khieu Samphan dans ce fameux discours qui, rappelons-le, est fait pour le compte du Fong, du Grung. Et à cette époque-là, c'est bien monsieur c'est bien le roi, le prince Norodom Sihanouk qui a sa tête. Encore une fois, renvoie au document E320. C'est lui qui parle à de nombreuses reprises de ces traîtres qui ont fait un coup d'État contre lui, qui ont fait qu'il est parti en exil. Nous sommes dans ce contexte-là. Et lorsque M. Khieu Samphan fait ce discours, où ça aussi, l'accusation manque de noter, où il appelle à ce moment-là le reste des gens qui sont encore du côté de Lon Nol à venir rejoindre les rangs du Fong et du Grung en disant « Vous pouvez faire des actes de sabotage, vous pouvez rejoindre le mouvement, nous sommes bientôt à la fin ». Il n'est pas en train de dire qu'il va tuer tout le monde. Il n'est pas en train de dire qu'il veut tuer tout le monde. Il a parlé de sept traîtres dans le cadre d'un régime qui a fait un coup d'État contre le prince Norodom Sihanouk qui est à la tête du Fong. C'est dans ce contexte-là qu'il fait cette déclaration. Donc sortir cet élément
de son ton contexte et à lui dire que c'est là qu'on trouve en germe la volonté, l'intime, la volonté ou l'intention criminelle de M. Kosampan pour ce qui va se passer quelque part, quelques mois plus tard, après la fin de la guerre, sur les soldats de tout le portrait, alors que la Chambre reconnaît elle-même qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait à ce moment-là, bien je dis que c'est non seulement un grand écart avec le droit, mais que c'est une grave violation d'un protocole équitable. On ne peut pas tirer ce genre d'éléments et ce genre de conclusions, d'éléments factuels comme ça en les sortant d'un contexte. Donc rappelons-nous, nous sommes avant 1975 dans un état de conflit armé. Lorsqu'il y a des évacuations, que les gens fuient les combats, parce que les gens fuient les combats, c'est la guerre. Et quand on vient aussi, c'est ce qui s'est opposé hier, on vient nous opposer un discours de Khmer Sampan après la victoire du Mont, où les troupes du Sun et du Drong ont remporté la guerre contre, enfin une bataille importante. Dans ce contexte, on vient de dire qu'ils ne devraient pas se réjouir, mais expliquez-moi dans quel conflit armé on ne dit pas qu'on a gagné cette bataille et on est content d'avoir remporté la victoire sur le camp ennemi. Alors oui, c'est triste, c'est terrible. Pendant la guerre, il y a des gens qui meurent, mais l'ennemi pendant la guerre, c'est la personne qui est dans le camp opposé, la personne qui est militaire et qui est dans le cadre d'une force armée. C'est dans ce contexte que Sampan a tenu ses discours et utilisé ces discours-là pour dire qu'il aurait ensuite soutenu une politique à l'égard des ennemis après le conflit armé. C'est une erreur fondamentale. Donc ça, c'est un élément qu'il était important de rappeler. Autre observation sur la question de... Alors, bien sûr, j'ai parlé de Pipoun sur la question de la décision d'évacuation, mais puisque M. le substitut du procureur, hier, a évoqué les autres éléments qui ont été utilisés par la Chambre et qui seraient des corroborations. C'est le terme qui a été utilisé, c'est le terme également qui est utilisé par la Chambre sur les déclarations de Pipoun. Rappelons-le, Pipoun parle de deux réunions. Première réunion de juin 1974 à laquelle l'évacuation n'aurait pas été abordée. Mais passons. On nous dit la Chambre a également utilisé les déclarations de Nunchia. Nunchia, il a parlé à de nombreuses reprises. Il n'a jamais dit que Sampan aurait été présent à une quelconque réunion sur la décision d'évacuation. Jamais. Donc ça, premier élément, et là je renvoie au paragraphe 274 de notre mémoire d'appel. Ensuite, rappelons, je vous l'ai dit lorsque j'ai présenté la manière dont la Chambre déformait la preuve, parce que on peut ne pas être d'accord avec moi sur le fait que la Chambre a eu raison. Mais moi, je prends les éléments qu'elle a utilisés et comment elle les a utilisés et ce qu'elle dit au sujet de ces éléments. Et paragraphe 275, nous rappelons ce qui a été dit par la Chambre. Elle dit qu'elle juge très probable que la date de la réunion de juin 1974 ait été fixée de manière à permettre à Khmer Sampan et Yeng Sarim d'y assister et de présenter au comité central des résultats très fructueux de leur réunion avec les hauts dirigeants chinois, etc. À l'appui de cette affirmation et de cette probabilité. Elle n'en est même pas sûre, elle ne peut pas en être sûre. Il n'y a pas de date fixe du retour supposé de Khmer Sampan et Yeng Sarim pour cette réunion. Elle utilise son Sikun, une personne qui ne dit pas que les gens étaient partis, que Yeng Sarim et que Sampan étaient partis à la réunion. Paragraphe 276 de notre mémoire d'appel. Son Sikun ne dit pas ça, il dit à un moment on était ensemble au Laos. Ensuite, ils sont partis en prenant la route du Vietnam. Voilà ce qu'il dit. Est-ce qu'il dit à quelle date ils sont rentrés au Cambodge? Absolument pas. Est-ce qu'il dit si même ils savaient pourquoi ils ont quitté à ce moment-là? Il ne le dit pas non plus. La Chambre extrapole. Autre élément, alors oui, on peut dire que c'est de la corroboration. Yeng Sarim. Yeng Sarim, cité hier par M. le co-procureur, la Chambre tire des déclarations de Yeng Sarim, la conviction suivante, elle dit, et là c'est paragraphe 277 de notre mémoire d'appel, elle dit qu'elle est convaincue qu'une telle discussion est effectivement intervenue à peu près au moment de la réunion en question, voire au cours de cette dernière. Et quel élément elle a à l'appui
pour parler de cette conviction que cette discussion se serait intervenue à ce moment-là. Mais zéro élément. Ce que dit, et là je renvoie à la note de bas de page 657 de l'interview de Yang Sari avec Steve Heder de 96. Yang Sari évoque sa discussion avec Pol Pot en disant que rien de précis n'avait encore été décidé en 1974. Donc, quand Yang Sari parle de sa discussion avec Pol Pot, il ne dit pas que la décision a été prise. Voilà d'ailleurs ce qu'il dit dans sa discussion avec Pol Pot. J'ai répliqué que évacuer tout ou comment. Il a dit, et là il parle de Pol Pot, là il faut voir dans la pratique. Sa réponse était qu'il fallait attendre de voir dans la pratique. Et plus loin, Yang Sari va dire à la page 6, je n'ai participé à aucune réunion décisive. Voilà l'élément sur lequel la Chambre va s'appuyer pour dire qu'elle est convaincue qu'une discussion est intervenue à peu près au même moment que la réunion en question, voire au cours de cette dernière. Ce n'est pas du tout ce que dit Yang Sari. Ensuite, je renvoie vraiment, pour le reste, à mes développements, enfin à nos développements dans le cadre du mémoire d'appel. Mais vraiment, quand on parle de l'utilisation de la preuve et qu'on nous dit mais ici, la Chambre s'est appuyée sur de la preuve, elle estime que ça corrobore, mais ça corrobore rien du tout. Elle s'appuyait sur de la preuve et elle la transforme comme elle l'entend. Et c'est exactement ce que je dénonce depuis le début de ces audiences d'appel. Donc on ne vient pas me dire aujourd'hui que ce serait de la rhétorique et que nous n'avons pas appuyé notre propos. Que les procureurs ne soient pas d'accord avec nous, soit c'est leur droit le plus strict, c'est même leur rôle, mais on ne vient pas nous dire qu'il n'y a pas d'éléments précis sur la manière dont nous avons extrait ce qui est le raisonnement de la Chambre et comment elle avait mal raisonné. Donc ça, c'est un élément que je tenais à préciser sur les faits qui ont été abordés hier. Un dernier point, ou deux derniers points, plus précisément, sur la jurisprudence qui a été citée, sur la question de la portée de in dubio pro reo lorsque l'on parle des éléments constitutifs de crime ou de responsabilité. Co-procureur international, vous a cité la jurisprudence Stakic. Hier, j'ai dit que c'était une jurisprudence isolée, mais j'ai oublié de préciser que le paragraphe 416 de cette jurisprudence sur laquelle s'appuie l'accusation pour dire ben non, c'est simplement sur les faits que le principe du doute s'applique. Au paragraphe 416 de cette décision Stakic, il n'y a pas de source, il n'y a pas de base légale. C'est une affirmation comme ça, il n'y a, pas de motivation légale là-dessus pour dire pourquoi le principe du doute ne s'appliquerait pas. Ensuite, sur la question des hors-combats, le co-procureur nous dit mais la jurisprudence Martich ne dit pas ce que dit la défense. Je rappelle quand même que les faits de l'espèce dans la jurisprudence Martich, paragraphe 313, pourquoi on parle de hors-combat et de hors-combat? C'est parce que dans les faits de Martich, on est en plein conflit armé. Ce n'est pas la situation dont nous parlions dans le cadre de notre procès. Donc, les co-procureurs ne peuvent pas s'appuyer dessus. Autre point sur la question, et ça a été abordé aujourd'hui, sur la question de comment une chambre doit raisonner sur le cadre de, dans le cadre du crime d'extermination s'il n'y a pas une qualification préalable de meurtre. De l'autre côté de la barre, hier, j'ai compris qu'on m'a cité une jurisprudence image, et c'est ce qui n'a rien à voir avec l'extermination et qui a un rapport avec l'identification comme l'a lui-même reconnu monsieur le coprocureur. Là, encore, je renvoie à l'arrêt Bagosora qui, lui, a pour mérite de s'adresser spécifiquement à la question de l'extermination et aux différents sites et à comment on vient de procéder. Paragraphe 396, il présente la manière dont doivent s'articuler les crimes de meurtre et d'extermination lorsque les crimes ont été commis sur des sites différents. Et dans ce cas-là, ce qui ressort de cette jurisprudence, c'est que la Chambre doit d'abord traiter les crimes isolément pour pouvoir les qualifier de meurtre, puis soit conclure
qu'à chaque endroit le crime d'extermination est constitué, ou soit, si le critère de massivité n'est pas rempli à chaque endroit, adopter une approche globale et déclarer que la somme des décès survenus en différents endroits, au regard de l'ensemble de la preuve, constitue le crime d'extermination. Et là, alors je sais, c'est vrai que nous sommes en audience d'appel et moi je vous parle droit, je ne suis pas là pour vous faire simplement de la démonstration, vous parlez de la preuve. En passant, je suis en train de vous parler de la preuve et de savoir en quoi la preuve peut être liée ou pas à la responsabilité de mon client. Donc, qu'il y ait eu des exactions, qu'il y ait eu des choses terribles qui soient passées pendant les évacuations, c'est... Il y a certainement des choses qui se sont déroulées, on n'a jamais contesté sur certains points. Mais on me parle de la volonté de M. Kessampan que ces crimes se déroulent, que ces événements se passent. C'est faux. Et là encore, je rebondis sur ce que n'a pas dit hier l'éco-procureur, le co-procureur international, à savoir sur la question qu'on lui a demandée, est-ce que le dol éventuel existait en 1975 sur les crimes d'extermination ? Est-ce qu'il existait ? Je n'ai pas entendu de réponse. Alors oui, c'est vrai que le droit, c'est compliqué, c'est complexe, mais on parle droit, on est dans un centre de justice. Et dans cette condition, le dol éventuel de dire que les conditions de déplacement de population qui aurait pu conduire éventuellement à un meurtre ou à la mort de personnes plutôt, est-ce que ça peut constituer un élément dans le cadre de l'extermination en droit non et certainement pas en droit tel qu'il existait en 75. Donc ça, ce sont des éléments concrets d'appel. Je ne vais pas vous faire je ne peux pas vous refaire les plaidoiries intégralement, je ne peux pas vous replaider en quelques minutes l'intégralité de notre mémoire d'appel, mais je vous demande encore une fois de revoir l'articulation que nous faisons entre le droit, les faits et la responsabilité de tout un temps, et vous verrez qu'à chaque fois, la construction de la chambre a une faille, parce que la même créa n'est pas, n'est pas toute la construction de la chambre éparpillée, le pseudo-rôle de M. Kessampan oublié, ça aussi j'allais l'oublier parce que il y a tellement de choses à dire. Mais même sur la réunion, sur l'évacuation, on vous dit ah ben regardez, M. Kessampan quelque part, je ne sais plus, en 96 ou à une date indéterminée, il a donné une interview, il a dit si les gens n'avaient pas tous été d'accord ou si une seule voix s'était levée, on aurait pu arrêter l'évacuation. Mais de qui parlerait M. Kessampan à ce moment-là? Il ne parle pas de tout le monde en général, il est en train de parler du comité permanent. Un comité permanent dont il n'a jamais fait partie pendant toute cette durée du Conseil de la démocratie. Et plus encore, puisqu'on en est à la question de la décision sur l'évacuation de Phnom Penh avant que ce soit en 1974 ou en début 1975. Mais à cette époque-là, je l'ai rappelé, il n'était même pas membre de plein droit du comité central. Quand bien même la décision aurait été prise par le comité central, ce qui n'est pas le cas, quand bien même l'aurait été prise, il n'avait pas voix au chapitre à ce moment-là. On vient nous dire qu'il aurait pu s'opposer, mais il aurait pu s'opposer sur quelle base, sur quel critère. Donc ça, c'est les faits en application avec la situation de M. Kessampan. Ça, c'est la manière dont la Chambre a manipulé le droit. Et là, je reviens aussi. Et pourquoi c'est cette manipulation, elle se retrouve tout au long du jugement. Exemple, le centralisme démocratique. Elle vient nous expliquer que bien, oui, tout le monde prenait part à toutes les décisions, alors qu'on a eu des témoins qui sont venus expliquer que finalement les décisions revenaient au comité permanent et plus particulièrement à Pol Pot. Et on vient vous dire, ah ben non, ils avaient le droit de décider tout sur tout. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment, on a du mal à trouver le lien entre M. Kessampan et les faits, entre M. Kessampan et les décisions. Donc c'est ça que nous vous disons au niveau de l'appel de M. Kessampan, et c'est ça que vous retrouvez tout au long de notre mémoire, avec, encore une fois, des éléments, des références que nous ne pouvons pas développer dans les quelques minutes qui nous sont imparties, mais qui existent. Ce n'est pas de la rhétorique. Nous avons fait une démonstration qui ne plaît peut-être pas à l'accusation, mais c'est une démonstration quand même. Je reste évidemment à la disposition de la Chambre pour des questions complémentaires, mais voilà les points que je voulais rappeler par rapport à ce qui a été dit entre hier et aujourd'hui.
Honors, I would just note that I understood that counsel is just replying to what we submitted on individual criminal responsibility. There was nothing in the schedule for that. We didn't object to it, but we would like an opportunity to briefly respond to what you just said. I'm not going to cover everything. But for example, she did rely upon the testimony of someone called Nikam. We point you to footnote 359 of the judgment. Nikam was the brother of Sun Sen. The trial chamber there found his testimony inconsistent and therefore unreliable. I'd also point out that counsel is saying that it's important to put Khieu Samphan's statements in context, and absolutely we agree with that, and that's exactly what the trial chamber did. You have to put his statements in context. So when he talks about the necessity to kill the traitors, to kill the enemies, and the last chance for others to join the Khmer Rouge or share the same fate, it's important to put that into the context of how the increasing brutality of the Khmer Rouge regime from 73 to 75 and the pattern of executions of Khmer Rouge soldiers. When Khieu Samphan goes on the radio and talks about the great victory after the 17th of April, it's important to put that in context of the absolute misery of millions of people in Phnom Penh, who because of that, what he called great victory, were dying, starving, being displaced from their homes, on the roads, and he's passed them in his car on his way into the city, he himself saw this. So put into context that Khieu Samphan's statements promoting this joint criminal enterprise were done with full knowledge of the crimes that were occurring. There's a saying in Khmer, I understand, that the back foot follows the front foot. And my understanding is that means that subordinates follow leaders, and sons and daughters follow their parents. Khieu Samphan, at all times during this indictment period, had a very key role. He was, and he admits it, the face of the Khmer Rouge. He even had the title of commander-in-chief even before 1975 of the front forces. He was the person speaking on their behalf and known both to foreigners and to the people of Cambodia. And he was the one promoting this enterprise while all these crimes were going on, excusing the crimes and encouraging the crimes. So we agree with counsel, it's very important to put his remarks in the context of the brutality of the regime. Honorable Judges, Honorable Judges, Honorable Judges, ຈັ່ງມາອັດມີໃສ່ປະຕໍຕິດເອອອງຈຸມນຸມຈຸມຣະກະບັນຕໍຕຶກະໄລກໍໃນບັນດັງສາຕົກແປປອນນຶງການປະດັນຕິໂຕໃຫ້ຕະໄລກໍນີ້ຄືສົມເຊີນສະຫະຈາກກົມລະບາຍການຄືເຖີລະບາຍການ Thank you, Mr. President. The grounds of appeal related to sentence. This is the report of the chamber. The chamber sentenced both accused. The accused specifically against his sentence, which he argued First, Khieu Samphan, before the trial chamber, sought to reassure
The survivor victims and their families, the 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 victims and their
balance between deterrence and retribution as purposes of punishment. That the alleged errors are emblematic of the trial chamber's poor while denying the allegations against him, he argued that the trial chamber failed to take into account his own words, individual circumstances, and his alleged participation in the trial. He argued that he should not have received the first available sentence to the sentences of the International Military Tribunal and the IAEA, given that he was not one of those most responsible for perpetrating the crime. Thirdly, he argued that the chamber erred in its assessment ការខកខានទំនន់ដល់អត្តចរិតល្អរបស់គាត់ Sôm chơi nhục sợi mê thư vít phù xa rà nà. Merci, Monsieur le Président. Bà sôm ọc con lô bà thiên. Monsieur le Président. Bà lô bà thiên. Mesdames, Messieurs. Bà lô bà lô xe chà kram chê tì gà rô. De la Cour suprême. Il n'est jamais aisé quand on plaide l'acquittement de plaider également, même à titre subsidiaire, sur le quantum d'une peine que, par définition, nous venons de vous expliquer pourquoi elle ne doit pas être infligée à notre client. Cependant, la justice pénale étant ce qu'elle est, il convient toujours de parer en faisant un subsidiaire. Et nous faisons d'autant plus que, même sur la question de la peine, la Chambre a erré en fait et en droit. Comme pour le reste de son raisonnement, la Chambre a péché en privilégiant le symbole par rapport au droit. Et là encore, elle a oublié que la peine concerne avant tout la personne qui va à la suivre. Et c'est le principe même de l'individualisation de la peine. Je ne vais pas être très long sur le sujet, simplement rappeler nos paragraphes, notre mémoire d'appel, paragraphe 646 à 658, en rappelant que nos critiques sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, méconnaissance de l'objectif de la peine. Ensuite, absence d'individualisation de la peine. Erreur sur les circonstances aggravantes, notamment abus d'autorité et degré d'instruction, et absence de prise en compte de circonstances atténuantes. Les procureurs soutiennent que nous n'aurions pas démontré en quoi la Chambre aurait abusé du pouvoir discrétionnaire dont elle jouit, et il cite l'arrêt d'Ouïque, qui cite lui-même l'arrêt Milosevic. Et pourtant, selon ces jurisprudences, nous pouvons
Et nous devons démontrer pourquoi il y a une erreur manifeste d'appréciation. Erreur sur l'objectif de la peine. La peine, c'est la dissuasion et le châtiment. Ça, c'est ce que dit Nikolic, paragraphe 132. Mais ce n'est pas pour autant que l'accusé, en l'occurrence le condamné, n'en reste pas moins au cœur de cette sanction. Il doit être au centre de l'objectif de la peine et non pas des personnes extérieures, comme on a pu le lire dans le jugement. Et un point important, c'est que tout au long de son jugement, la Chambre a été bien obligée de reconnaître que Samplon, tout au long du régime, n'a eu que des fonctions symboliques. Elle n'a pas pu conclure à une autorité hiérarchique que Samplon sur qui que ce soit, et elle n'a pas tiré les conséquences. Et forcément, parce que nous sommes devant une juridiction internationale, nous faisons référence à la jurisprudence d'autres juridictions internationales et nous vous avons rappelé dans notre mémoire d'appel la jurisprudence de Nuremberg avec l'accusé Funk qui est parlant parce qu'il peut y avoir un parallèle s'il y avait, devait y avoir une condamnation. L'accusé Funk a été condamné pour crime de guerre, crime de paix et crime contre l'humanité. Il a justifié publiquement des discriminations pour faire l'objet des Juifs. Il a été membre d'un organe qui ordonna qu'on fournisse de la manœuvre et de la déportation. Mais dans le cadre de son jugement, on a trouvé qu'il n'a jamais joué un rôle prépondérant dans les différents programmes auxquels il aurait participé. Et c'est dans ces conditions qu'une peine à temps lui a été infligé. Je vous renvoie également à la régalique du TPY, paragraphe 438 à 456, on peut dire que les seules condamnations à perpétuité qui ont été prononcées l'ont été à l'encontre d'individus possédant le rôle et les responsabilités les plus élevés, notamment militaires et paramilitaires, avaient un pouvoir de contrôle effectif sur la commission des crimes. Et ce n'est pas le cas de M. Kyosampon. Dans ce cas-là, il n'y a pas de condamnation à perpétuité. Et je rappelle à ce sujet que le prétendu rôle déterminant de M. Kyosampon n'a aucunement été démontré dans la commission des crimes. Alors évidemment, il ne s'agit pas de calquer les décisions d'autres juridictions, mais simplement de relever quand même l'argumentation assez étonnante des co-procureurs qui nous disent oui, mais que la gravité des crimes, dans leur réponse, que la gravité des crimes dépendrait de la géographie ou de la date. Je dois dire que je suis assez perturbée par cet argument, puisque je ne vois pas comment on pourrait dire qu'il serait plus grave de tuer en 75 au Cambodge, qu'en 43 en Allemagne, ou en 91 en Yougoslavie. La vraie question n'est pas la géographie, la vraie question c'est la personnalité de l'accusé. La question est, est-ce qu'il avait un rôle prépondérant et quel était son degré de participation? Et une, ça me conduit à parler d'une autre erreur de la Chambre à ce sujet, puisqu'elle a retenu comme circonstance aggravante la position d'autorité supposée de M. Kyosampon. Et là, je rappelle l'arrêt Milosevic, paragraphe 302, disant qu'une position d'autorité, même à un niveau élevé, ne justifie pas forcément une peine plus sévère, mais que l'abus de cette autorité peut certainement constituer une circonstance aggravante. Or, force est de constater que jamais la Chambre n'a expliqué quelle autorité que Kyosampon aurait eue. Et encore moins, quel abus d'autorité il aurait effectué. Je renvoie également à la décision qui attend gaz sur la peine au paragraphe 75. Je renvoie également à l'arrêt Senovic, paragraphe 1802. La jurisprudence est constante, l'abus d'autorité
C'est la seule circonstance aggravante, ce n'est pas l'autorité. Et encore une fois, dans ce dossier, l'autorité n'a pas été prouvée. Autre erreur de la chambre de M. Kyusampan, qui est considéré comme une circonstance aggravante, mais la chambre ne se fonde sur aucune base légale, ni en droit international, ni en droit cambodgien pour dire que cela constitue une circonstance aggravante. En revanche, la chambre a encore erré en ne prenant pas en compte la personnalité de M. Kyusampan et tout ce qui a été dit à l'audience à son sujet. Alors évidemment, il y a les témoins de moralité qui sont venus témoigner, qui ont parlé de la personnalité de M. Kyusampan, de ses qualités humaines, mais également, pas simplement les témoins de moralité, et là je renvoie au paragraphe 656 de notre mémoire d'appel, et ça c'est assez rare dans notre procès comme celui-ci. Toutes les personnes qui sont venues témoigner dans ce procès ont toujours parlé des qualités humaines de M. Kyusampan, du fait qu'il n'avait pas de pouvoir et du fait qu'ils ne l'ont jamais vu prononcer de quelconque propos négatif à l'encontre de qui ce soit. Ces qualités, ces éléments par rapport à l'absence du pouvoir auraient dû être pris en compte par la chambre de l'opérité. Je conclurai en disant qu'évidemment, ces erreurs invalident la décision de la chambre sur la peine, mais je ne serai pas complète si je ne finissais pas par où j'ai commencé, à savoir que pour nous, tous les éléments que nous avons développés au cours de ces derniers jours ne peuvent pas conduire à une ហើយតែហើយក៏យើងបង្ហាញអំណាចឲ្យកាត់ទោសលោកខៀវសុផនប្រតិទោសលោកខៀវសុផនទេគឺមានតែធ្វើឲ្យលើកលែងទោសគាត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ដល់ម៉ោង សម្រាប់ហើយអញ្ចឹងអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសសម្រាប់20នាទីហើយនៅម៉ោង10:40នឹង40សូមជឿសម្រាប់